Oui, alors juste un petit mot, parce que je sais que vous êtes tous super curieux d'écouter Sébastien. Mais pourquoi je l'ai fait venir ? Donc c'est parce qu'on s'est rencontrés sur sa ferme en juillet. J'ai passé 10 jours sur sa ferme au Québec. Et donc en revenant de mon tour du monde de l'agroécologie en septembre, j'ai voulu commencer un projet où l'idée c'est de connecter des étudiants, des agriculteurs de France et du monde entier autour de l'agroécologie pour comprendre que peu importe où est-ce qu'on est sur la planète, on doit manger. Et sur le long terme, pour manger, il faut qu'on préserve nos sols et qu'on se préserve nous-mêmes. Et gagner de l'argent, forcément, et bien vivre. Mais c'est super important de croiser les contextes, d'avoir une vision différente, d'aller voir des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'ont pas le même climat, qui n'ont pas la même économie, les mêmes réglementations, etc. Et d'apprendre aussi en fonction des générations. Et là, il y a pas mal de générations dans la salle et c'est super parce que ça permet d'apprendre les uns des autres. Donc je suis venue à Chambray, au lycée en septembre. J'avais déjà rencontré les étudiants de BTS APV 2 et APV 1 qui sont là. Et l'idée, c'était de poursuivre sur une thématique et peut-être avec l'idée de faire venir un agriculteur d'un autre pays. Donc c'est le cas aujourd'hui. Et peut-être aussi que vous alliez vivre des expériences dans un autre pays pour ensuite les partager en revenant avec dans un projet. Donc voilà, j'ai juste fait une petite diapo pour expliquer les bases du projet Les Agronomes, qui est de se construire à travers une expérience dans une ferme du monde. Alors le monde, ça comprend la France. On n'est pas obligé d'aller très très loin pour voir quelque chose qui nous sort de notre zone de confort et qui nous permet d'apprendre. Produire des supports pédagogiques quand on vit cette expérience. Ça peut être des vidéos, des articles, des photos, des schémas. Acquérir une ouverture et une capacité d'adaptation par l'interculturalité. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de se confronter à quelque chose de différent pour s'ouvrir. Il y a une faute, j'ai mis deux fois la même chose. Plonger dans le pourquoi et comment l'agroécologie. Donc pourquoi certains agriculteurs décident de faire de l'agroécologie, c'est pas les mêmes raisons à Madagascar et au Québec, on n'a pas du tout la même vision des choses, ou au Costa Rica, où sont les APV2 en ce moment. Et voilà. Et donc la vidéo, c'est vraiment un outil. Donc c'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube Les Agronomes, que j'espère les étudiants prendront en main par la suite, parce que moi je vais me calmer, je vais arrêter de voyager, même si j'adore filmer. J'ai envie que ce soit les jeunes qui voyagent, qui fassent des vidéos pour transmettre la beauté de l'agriculture et faire en sorte qu'on fasse l'agroécologie tous ensemble demain. Voilà. Donc, y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources qui sont disponibles pour les étudiants et pour tout le monde d'ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre, de découvrir une ferme. Par exemple, j'ai entendu qu'il y en avait dans les BTS là, qui veulent aller au Québec peut-être. Donc avant d'y aller, comme vous avez un stage qui est très court, en plus c'est important de s'immerger dans le contexte et dans les pratiques de l'agriculteur avant d'y aller pour vraiment être peut-être utile dans un projet sur place. Un projet pour pas seulement apprendre de l'agriculteur mais aussi l'aider dans son projet parce qu'avec votre vision des choses, je pense que vous avez beaucoup à apprendre à Sébastien et il en est persuadé. Donc, Sébastien est là pour partager sa vision des choses, mais aussi apprendre de vous tous. Donc, c'est super important. Voilà. Donc, je vous invite à suivre le projet Les Agronomes sur tous les réseaux sociaux qui sont là et à y contribuer, quoi. Mais ce que j'ai pensé aussi, c'est que vous avez sûrement des problématiques communes. On pourrait prendre une ou deux problématiques communes. Puis je peux vous challenger dans votre réflexion avec un œil très une perspective très différente. C'est un peu travailler en équipe. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'ici, je ne suis pas ici pour vous dire un peu la recette. Je pense que je vais vous donner une perspective très, très, très différente comment faire de l'agroécologie.
Il est où mon. Pour faire le. C'est... Ah, c'est ça ici. OK. Ben, je commence avec ma conclusion. Ma conclusion, c'est que j'ai compris que l'agriculteur, il faut qu'il devienne un expert en relations, un chef d'orchestre des relations. Les relations sol, plante, humain. Puis il faut qu'il trouve la route des fleurs dans la guerre du vide. Ça, c'est ma conclusion. Fait que c'est là que je vais vous expliquer plus tard. Puis un peu, c'est un peu une histoire d'amour. Parce que je te dirais mon histoire, je vais vous raconter mon histoire. C'est une histoire d'un gars qui est tombé en amour avec le problème, l'agroécologie rentable et productif. Hein? Quand on tombe en amour, c'est pas toujours des... Il y a des cycles émotionnels, hein? Des hauts, des bas, hein? Des... fait que, hein? On va parcourir ça. Un peu mon histoire, je viens de... Particulièrement, je n'ai pas une famille d'origine céréalière. Je viens d'une famille production de sirop d'érable. Le pays du Québec, c'est le sirop d'érable. Fait que je viens... Mon père est entrepreneur en construction. Ma mère travaillait dans les hôpitaux. Puis ils ont construit par la bande un érablière d'une quand même une grosse envergure. Puis j'ai atterri dans l'agriculture un peu par hasard. Un peu à la Forest Gum, un peu là. Je travaillais sur des fermes, des exploitations proches de chez nous quand j'étais plus jeune. J'ai une formation Cégep de Victoriaville qui est l'équivalent un peu de ce que vous faites, un genre de BTS 3 ans spécialisé en agriculture biologique. J'ai un baccalauréat en agronomie à l'Université Laval à Québec. J'ai travaillé aussi comme consultant agronome. Puis j'ai voulu le voir, j'ai travaillé, j'ai changé beaucoup. Puis mon message ici, toutes mes connaissances que j'ai, en fait, ça vient pas beaucoup. Ça vient énormément des échanges que j'ai eus avec d'autres agriculteurs, d'autres personnes. Tu sais, c'est beaucoup de données que j'ai reçues. Puis je suis quelqu'un qui m'entoure énormément. Dans mon passé, j'ai fait un voyage un peu comme Opaline. Je trouvais ça drôle quand Opaline était atterri chez nous. Parce qu'il y a des années 2005-2006, j'avais fait un peu la même chose. J'étais parti avec mon pack-sac, une caméra. J'avais peut-être pas les mêmes moyens de cellulaire à ce moment-là. J'étais allé visiter des fermes en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, Australie. J'étais allé aux Philippines. J'étais allé en Thaïlande, puis en Inde. Puis tu vois, ça, c'est une photo que j'ai prise l'été dernier au nord de Dakota. Depuis 2-3 ans, je voyage énormément aussi aux États-Unis. Pour moi, c'est très accessible, là, le Midwest américain. Fait que je suis quand même assez... J'ai une bonne perspective assez globale de ce qui fait en agriculture. Puis le but de mon voyage à ce moment-là, c'était de comprendre l'agriculture. Pas juste au Québec dans ma réalité, mais dans toute la... comprendre les paramètres dans différents climats, dans d'autres contextes économiques, humains. Ma ferme est située en plein centre du Québec, centre de la région du centre du Québec, Montréal, Québec. Je suis ici, pas loin de Nicolet. Une exploitation de 100 hectares. Vous voyez ici, c'est quasiment tous les seuls champs verts ici. OK? C'est une photo qui a été prise par Google Maps, là... pendant l'hiver, ça exprime un peu notre réalité. Au Québec, les couverts végétaux hivernales sont très rares. Pourquoi? Parce que la survie, vous avez expliqué que la survie à l'hiver, c'est un enjeu. Fait que la plupart des sols sont à nu, l'hiver. Tandis que j'ai des parcelles, c'est quasiment toutes les seules parcelles qui sont couvertes, là, c'est chez nous, dans la région. Fait que, à part les prairies, certaines prairies, les producteurs laitiers qui ont des plantes fourragères. Fait que j'ai dans la plaine agricole. Une ferme, ça fait 35 ans que c'est biologique. En fait, l'histoire un peu, j'ai racheté la ferme en 2008. Au départ, c'est une ferme laitière de bovins de boucherie. C'est mon ancien beau-père, Hans Buccelli, qui avait parti de la ferme à ce moment-là. Alors, en l'espace de 10 ans, j'ai bâti une entreprise qui s'appelle Les Viandes Rintales avec la mère de mes filles, où on faisait l'exploitation de porc et de bœuf. Et j'ai monté dans toute une entreprise là, de transformation de viande. On faisait du porc, de pâturage, bœuf des prés. J'avais 50 truies naisseurs finisseurs, 50 bouvillons en engraissement, avec tout le système de 100 hectares de culture. Là, puis j'ai commencé justement à faire beaucoup d'agriculture de conservation en 2008.
Puis vous allez voir, c'était vraiment, on a travaillé très fort. On a monté une entreprise, de commercialisation, ce qu'on vendait en ligne, du bœuf, le porc, la charcuterie. Je suis venu ici en France. En passant, je suis travaillé en Alsace dans les années 2000-2001. J'ai travaillé pendant 3 mois en Alsace, qui m'a fait connaître un peu plus votre réalité française. Puis je suis revenu apprendre à faire de la charcuterie avec des Français. J'étais en train de faire des formations en charcuterie dans la région d'Auvergne, Aurillac, pour faire de la charcuterie. On faisait des terrines, des saucissons secs, des pieux. Puis on vendait. J'ai une entreprise, là, on a monté l'entreprise en l'espace de 10 ans. On est parti de zéro. Puis j'ai monté l'entreprise avec 15 employés, 3 millions de chiffres d'affaires, où on commercialisait notre viande et la viande d'autres producteurs qui ont travaillé au niveau du bœuf. Fait que pour moi, c'était une très belle expérience entrepreneuriale. Sauf qu'après 10 ans de relation de vie de couple en affaires, la vie de couple en affaires, je pourrais donner une autre conférence là-dessus. C'est un chemin quand même relativement plus difficile. C'est possible, mais c'est quand même un chemin quand même relativement plus complexe. J'ai travaillé beaucoup à travailler fort la relation, mais j'ai pris une décision de me séparer il y a 2 ans. Fait que ça l'a amené un chambournement. Fait que j'ai vendu toute la portion commerciale. L'atelier de transformation qu'on avait, j'ai tout vendu à la mère de mes filles. L'entreprise continue. Moi, j'ai racheté les terres familiales de Guylaine et je suis en train de le redémarrer. J'exploite l'entreprise, puis je redémarre un autre projet. Parce que là, en ce moment, je fais du porc bio pour un autre fournisseur qui vient du Breton. J'ai 1100 porcs bio en engraissement. Les autres, ils me fournissent les porcelets. J'ai un contrat de 10 ans. Je fais que m'occuper de la gestion animale, mais j'ai pas de risque sur la fluctuation de prix du marché. Les autres, c'est une belle entreprise. C'est vraiment Viande du Breton, c'est un leader mondial au niveau de la production porcine bio. Et vraiment, ils ont tous les abattoirs, toute la chaîne de distribution, même aux États-Unis. Ils fournissent tous les Wolford Market aux États-Unis. C'est vraiment très gros. Ils ont à peu près 70 fermes comme nous, comme chez nous. Fait que, puis j'avais l'expertise du porc bio. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherche et de développement. Fait que, j'avais les bâtiments. Puis, comme entrepreneur, je voulais gérer mon risque. Je pense que les animaux, d'avoir un atelier de transformation, c'est toujours la notion de rentabilité. Puis, au niveau de l'élevage, ça permettait de garder des fumiers, d'avoir un équilibre au niveau de mon système culturel. Puis, au niveau de mes revenus, c'est parce que l'enjeu des cultures céréalières, c'est toujours la gestion, en anglais, c'est cash flow. Comment vous avez liquidité, la trésorerie. C'est toujours l'enjeu de l'agriculteur, la trésorerie. L'élevage me permet d'avoir des revenus réguliers à tous les mois, mensuellement. Fait que ça, c'est toujours important de réfléchir dans notre système à toute cette... la notion de rentabilité à la ferme. J'ai également fait des formations entrepreneuriales. Ça, c'est vraiment, ça m'a donné une formation. Le printemps dernier, je me suis donné une formation entrepreneuriale qui se donne au Québec. Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé aussi, je me suis entouré d'un groupement des chefs d'entreprise. Je me suis entouré d'entrepreneurs autres que l'agriculture qui pour relever des défis. Puis j'ai fait plusieurs années de thérapie de couple. Mais ça paraît pas, je dis ça, mais ça m'a beaucoup aidé dans mes relations. Pourquoi je me questionne énormément au niveau de mes systèmes de culture? Mais premièrement, le labo. Premièrement, je me sens pas bien quand je labo, premièrement. Puis je me questionne énormément sur la question de l'érosion des sols, la question de pérennité des sols, l'agroécologie, puis pour moi, ce que le labo, pour moi, c'était pas une option envisageable là, dans le bio. Je sais que c'est un défi, mais je dis, je vais relever le défi un jour à la fois. Ben, c'est un peu pourquoi je me questionne l'érosion, tout l'aspect de la structure des sols. Je me suis beaucoup questionné à maîtriser cette complexité. Je pense que la question de la vie, c'est pas simple, mais c'est de maîtriser cette complexité-là, c'est toujours été pour moi un questionnement. Fait que ça, c'est le processus d'apprentissage. Hein?
Des fois, on apprend des choses, mais comment expliquer ça? Il faut évacuer des notions pour en avoir des nouvelles. Il faut créer un certain vide. Okay? Bien important, mon système, pour comprendre la réalité québécoise, c'est, premièrement, on a des gels autour du fin septembre chez nous, autour du 25 septembre, c'est les premiers gels. Les couverts végétaux peuvent durer. Ça, c'est une photo que j'ai prise au mois de novembre. Puis ça, c'est un couvert végétaux mix là, d'avoine, févrole, veste velue, tournesol, que j'ai implanté autour du 15 septembre. Ça donne une idée de la biomasse que je peux obtenir jusqu'au 15 novembre environ. Okay? On a l'hiver, le froid. La semaine dernière, il faisait moins 20. Ça donne une idée. J'ai à peu près pas loin de au moins 50 cm de neige, 40 à 50 cm de neige au printemps. Fait que quand on dit la gestion de survie des couverts à l'hiver, c'est ma réalité. C'est une photo que j'ai prise au mois de mars. Fait que imaginez l'enjeu de faire survivre des plantes. On sait que pour avoir de l'agroécologie, ça prend toujours une racine vivante 365 jours par année. Mais dans un contexte québécois, où il y a vraiment un énorme enjeu. Et c'est la principale raison pourquoi plusieurs agriculteurs québécois ne font pas de céréales d'hiver. Parce que la survie est un énorme enjeu. Okay? Parce que faut comprendre qu'au printemps, ben, il se fait de la glace. C'est qui crée une couche qui asphyxie les plantes. Et non seulement, ça crée un énorme, au printemps, une énorme pression d'eau. Ça crée vraiment beaucoup d'amorphie au niveau des plantes. Fait que je me suis beaucoup questionné et c'est entre autres en partie pourquoi j'ai commencé à intégrer la culture sur billon, culture de but aux 75 cm. Vous voyez, mes plantes, ils ont, malgré les gros coups d'eau au printemps, sont capables de survivre. Un peu plus. Mais je vais revenir un peu sur mes mélanges plus tard au niveau puis pourquoi du billon. Ma réalité pédologique, tu vois, je suis des horizons AB, sable bleu, long argileux. J'ai un peu une bonne diversité, majoritairement des lombes sableux, avec majoritairement des horizons C argileux, des séries de sols, des pots de sol, glissol. Au Québec, c'est principalement des pots de sol, glissol et des brunisols. C'est les trois séries de sols les plus majoritairement cultivées en agriculture. Des taux de matière organique de 2,5 à 3 % de pH. C'est des sols relativement qui s'acidifient assez rapidement. Je n'ai pas de sol calcaire. Au Québec, il y a très peu de sol calcaire. Fait que ça demande des amendements de chaux à toutes les 3 ou 5 ans. Des petites doses, mais des autres doses d'entretien. Puis on a quand même un enjeu important au niveau des oligoéléments. Souvent des enjeux de carence de bore, de carence de manganèse. Et la compaction. Parce que normalement, la gestion de l'eau, le printemps nous amène des conditions, beaucoup d'humidité. Ça enseigne vraiment à l'agriculteur d'être patient, d'intervenir au bon moment. Hein? Parce que la compaction, je vais vous donner une image. L'ingrédient le plus important dans un sol, c'est l'oxygène. C'est l'ingrédient qui disparaît le premier. Puis l'image que j'ai, c'est un tube dentifrice. Quand tu écrases ton tube dentifrice, ton dentifrice sort, mais essayez de réintroduire le dentifrice dans le tube. C'est le même défi de réintroduire de l'oxygène dans un sol. C'est la même difficulté. Fait que tu t'arranges pour pas trop presser le tube, dans le sens d'intervenir. Le Québec, c'est vraiment... ici, c'est la même réalité, mais la pression climatique nous force vraiment à prendre conscience de ce défi-là de ne pas compacter nos sols. Moi, ma structure de sol, c'est mon principal focus. Je crois que la structure de sol, c'est la pierre angulaire de la rentabilité nette. Je vais le répéter parce qu'elle est importante. La rentabilité nette
d'une exploitation agricole en céréales principalement, pour moi, la pierre angulaire, c'est la structure de sol. Et mes actions sont portées pour bâtir ma structure de sol. Puis je sais que si j'ai une structure de sol qui est adéquate, mon revenu net, il va venir. Parce que je bâtis non seulement un système, je bâtis surtout un système qui est résilient. Quand j'ai un système, les structures de sol en bonne santé, j'ai de l'eau qui percole. Même si, quand arrive une période des gros flux de pluviométrie, le sol va être capable d'absorber. Et la même chose, si j'ai une sécheresse, j'ai un sol qui va garder mon eau. Ça fait que je crée un système qui est résilient. Ça fait que, tu sais, les fluctuations. Fait que quand je dis revenu net, c'est ça aussi. Ça fait que t'as moins de fluctuations au niveau de tes dépenses ou revenus, au niveau de tes rendements dans un système. Mais bâtir une structure de sol, c'est multifactoriel. Ça prend beaucoup d'éléments intégrés pour arriver à bâtir ça. Au niveau de mes rotations de culture, c'est assez complexe, c'est très évolutif. Je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Donc, je commence avec mon couvert. J'ai un couvert mix. Je monte mes billons à l'automne et je sème mes engrais verts sur billons à l'automne. L'année d'après, je m'en vais en maïs grain sous régie billon. Je vais vous expliquer comment que je m'y prends pour gérer ça. J'intègre des couverts interrants à travers mon maïs. Qui par la suite, je suis encore en sous-régie billon, je m'en vais en soja. Souvent, j'ai fait beaucoup d'amélioration, d'écoutement, de nivellement de surface dernièrement sur ma ferme. Dans ces conditions-là, vu que je déstructure mes sols, je change ma rotation, je fais un seigle et je retourne en soja pour donner un peu une chance je ne fais pas de culture exigeante comme le maïs parce que c'est trop exigeant. J'attends. Par la suite, après mon soja, je vais semer soit un blé d'automne ou un seigle et veste velue. Après, en semant la volée ou après la récolte, tout après la récolte. Après ma céréale de blé d'automne ou de veste et seigle, je vais souvent appliquer mes fumiers. La majorité, je te dirais, le 70% de mes fumiers sont appliqués à l'automne. Très peu au printemps. Les seuls fumiers que j'intègre au printemps, c'est un fumier en post-levée dans le maïs. Puis pourquoi ça, c'est très important? Parce que, comme je vous ai dit, la compaction, c'est un très gros enjeu. Je connais un peu les... Je connais dans ma période de l'année, la période la plus propice pour que les sols sont plus dans les meilleures conditions pour intervenir avec des charges lourdes dans les parcelles, c'est principalement le mois d'août et le mois de septembre. Fait que j'ai intégré mon système que je vais intervenir à ces moments-là. Parce que, en bon québécois, on dit je veux arriver à moins dire comme j'ai pas le choix. Comme agriculteur, il faut trouver l'équilibre entre un optimum agronomique et un optimum agronomique puis une nécessité économique. Puis des fois, on n'a pas le choix. Sauf que j'ai conçu j'ai réfléchi mon système en je veux prévenir à dire ça. Je veux m'arranger pour moins être dans des situations compromettantes. Fait que mes fumiers sont toujours appliqués sur des engrais verts ou avant d'ensemencer mes engrais verts. Et il y a pratiquement tout le temps une plante. Rarement des sols à nu au niveau de mes fumiers. C'est des fumiers compostés 3 mois environ. C'est idéalement. Puis je m'enligne pour des fumiers compostés presque 1 an. Parce que je crois que... Puis je donne une réflexion au niveau de mon azote. Mon système est réfléchi pour... mon objectif, c'est que l'apport en azote vienne 70% minimum des légumineuses. Et les fumiers viennent vraiment combler mes besoins. Puis je pense que le fumier composté, il est vraiment là vraiment pour activer toute ma microflore. Je le vois plus comme activateur de microflore qui nourrit mon microbiome de sol versus les besoins azotés.
T'sais, c'est plus comme ça au niveau vert. Par la suite, je fais souvent un engrais vert, un couvert très mix. Là, je mets pois fourragé, févrole, tournesol, sarrasin, facélie. Il y a une autre chose, mais je fais aussi la semence de pois fourragé. Puis après ça, je m'en vais une quatrième année de culture. Puis après ça, je fais un autre couvert mix après mon pois fourragé. Puis je ne l'ai pas intégré sur ma présentation ici, mais aussi une année de chair vivante. Les années que je vais. J'ai des parcelles que. Faut pas oublier, j'ai fait 35 ans que ma ferme est bio. Quand j'ai pris la ferme, j'avais une énorme pression de mauvaises herbes. Fait que les champs que je suis comme plus en problématique, au lieu de faire une approche de jachère, trait de travail à répétition à toutes les trois semaines, je fais une jachère vivante. Où ce que j'inonde ma parcelle de couvert, je fais quasiment 18 espèces en un an. C'est une autre approche. Mais je vais y revenir plus tard un peu. Puis, au niveau de l'évolution de mon système, c'est vrai, au départ, quand j'ai commencé à faire de l'agriculture, je faisais le maïs. J'ai commencé tout de suite à faire du billon, maïs, soja, puis après ça, j'allais en mettre. Du métail, hein, du grain. Et j'avais des bouvillons. Je faisais soit une partie, je retournais en engrais vert, puis j'allais en maïs, puis une partie, j'allais en 2 ans de prairie. Puis ça, moi j'ai une philosophie en bio, 2 ans de prairie maximum. Pourquoi? Parce que souvent, on fait 3 puis 4 ans dans notre réalité québécoise. C'est que j'ai observé les mauvaises herbes vivaces, ils rentrent dans notre système la 3e puis la 4e année. Puis je préférais avoir des prairies qui roulent plus dans mes rotations. Tu sais, au niveau de la fertilité, ça roule. Mes parcelles, ils tournent plus rapidement. Puis mes mauvaises herbes vivaces, c'était dur à détruire, il n'y avait jamais un coup. Puis en ayant 2 ans, je limitais énormément l'invasion de mes mauvaises herbes vivaces dans mes prairies. Et j'avais des sols qui tournaient beaucoup plus rapidement. Mais là, vu que j'ai pas d'animaux, j'ai un concept qui est beaucoup plus... Puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé à faire des céréales d'hiver au Québec. Ça, c'est ma réalité. Moi, j'ai poussé la note de l'expertise du désherbage mécanique. Je l'ai poussé la note. En tout cas, il n'y a pas une bricole que je n'ai pas essayé chez nous. Okay? Fait que 35 ans d'histoire en bio, c'est ça que ça donne. C'est des adventices, là. Tu prends le livre des mauvaises herbes, ils sont pas à peu près tous dedans. C'était un peu déstabilisant. Puis le fait d'être en non-labo, non seulement, tu sais, c'est un peu la raison pourquoi je suis allé en bio, puis pourquoi je me questionne. Parce que j'ai essayé les hercétrils, je vais vous montrer, j'ai des photos de houes rotatives de modifiées, j'ai des toits cresses, des sarcleurs légers, des sarcleurs lourds, j'ai à peu près tout ce qui existe en termes de désherbage mécanique, j'ai tout essayé, sauf que je suis plus capable de passer à des répétitions et des répétitions. Là. En tout cas, je trouve qu'il y a un effet... Bref, c'est là que je me suis rendu compte qu'en agriculture, on vivait dans un paradigme. C'est la paradigme de la guerre du vide. La guerre du vide, c'est quoi? Si on veut une plante, on tue les autres. Donc, le vide n'existe pas. Les mauvaises herbes sont aspirées dans notre système parce qu'on a créé un vide. Fait que, tu sais, j'ai tellement travaillé mon sol, j'ai créé un vide, mais là, les mauvaises herbes, ils viennent remplir mon vide. Puis là, je suis encore en train de lutter contre ce vide-là, tu sais, à perpétuité. Tu sais, Je sarque encore certaines parcelles parce que j'évolue. Il faut quand même que, comme entrepreneur, j'ai quand même toujours un revenu au niveau de mes récoltes. Mais c'est l'objectif que mon objectif est de réduire au maximum ces interventions de sarclage à ce niveau-là. Je donne un exemple. Est-ce que vous connaissez la houe rotative? Ben, dis-moi, je n'ai mis quadruple. Puis, ce qu'on en bio, pour les régies de sarclage, c'est une technique qui fonctionne très bien. Quadruple, c'est un peu maso, là, c'est un peu trop. 2, ça amasse, OK? Mais vous voyez, regardez l'impact d'un passage d'une houe rotative en régie bio. Ça a c'est vraiment un outil formidable en termes de sarclage. Puis, comment ça fonctionne, c'est que ton soja était ensemencé à 3 cm de profondeur.
La rotative va vraiment travailler le premier centimètre de sol, vraiment pulvérisé. Puis, il y a un effet comme de synergie. Même si on passerait deux fois, c'est pas la même chose qu'en même temps. Parce que la première, elle va briser ton sol, la croûte de surface. Puis la deuxième, elle va vraiment venir pulvériser, elle va vraiment venir briser tous les fils, les mauvaises herbes en début d'émergence. Là, ça fonctionne vraiment avec des mauvaises herbes de très, très jeune taille. Puis le soja est capable de. Et le maïs sont capables de supporter le passage. Là, de, ils sont pas assez, relativement assez agressifs. Mais bref, ça, c'est une idée comment j'ai poussé la régie dans le terme de sarclage. Tu sais, pour moi, c'est, je les maîtrise, ces techniques-là, mais sauf que c'est pas là que je veux m'en aller éventuellement. Et au Québec, on a poussé. On est quand même assez fort. Tu sais, au Québec, on est des bricoleux de machines d'équipement. En ce moment, si vous allez voir les processeurs bio, ils ont à peu près toutes les houdoubles à peu près installés. Les doigts cresse également. Fait que ça m'a donné quand même des bons résultats. Malgré tout, j'ai eu des résultats. Là, je sors environ des 3 tonnes, 3 quintaux à l'hectare, 3 tonnes à l'hectare. 3 tonnes, à peu près. C'est mes rendements moyens, je te dirais, de soja, qui est le rendement moyen, même conventionnel. Tu sais, je te dirais, certains processeurs conventionnels peuvent pousser la note à 4 tonnes, 4 tonnes et demie, mais ça, c'est très performant. Là. Mais en termes de revenus nets, je pense que le soja bio, à date, c'est très. C'est la culture. En ce moment, c'est la culture la moins risquée, la plus rentable, si je calcule le risque de ma culture. Parce que relativement à trois années, je joue 2 tonnes et demie, 3 tonnes hectare. Ça joue. C'est tout le temps variable. Fait que ça donne une. Puis je vends la tonne, le prix du soja est à peu près à 1050 piastres canadiens la tonne, qui est versus 500 $ canadiens. Fait que c'est vraiment là, le conventionnel. Fait que c'est une culture pour moi qui est la culture la plus rentable si je calcule le risque que je prends avec cette culture-là. Puis je la maîtrise assez bien. OK? Fait que je me questionne vraiment, c'est quand je vous dis que je me questionne beaucoup, mais dans mon système agricole, je trouve que l'agriculture, c'est un déséquilibre. On prend une forêt, c'est un équilibre. L'agriculture, c'est un déséquilibre. Mais moi, je veux me rapprocher le plus possible de l'équilibre naturel. Mais c'est comme un unicycle, hein? Il faut tout le temps que tu mettes un peu d'énergie. Puis il faut que tu trouves ta confiance. Ça, c'est. Je fais pas juste de l'agroécologie, j'ai fait de l'unicycle de montagne. Fait que je suis habitué à prendre des risques. Puis je pourrais dire aussi une chose. L'unicycle, quand tu ne l'as jamais fait, mais non, c'est tellement dur. Mais c'est comme regarder quelqu'un qui n'a jamais fait d'agroécologie puis qui regarde quelqu'un faire de l'agroécologie. C'est très insécurisant. Au début, tu tombes plusieurs fois. Mais à force de c'est la confiance, hein. Quand on arrive à faire de l'unicycle, c'est vraiment qu'on a la confiance et on a trouvé notre équilibre. Mais je pense que l'agroécologie, c'est la même chose. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'agroécologie, au début, c'est sûr qu'il va y avoir des échecs. C'est comme apprendre à faire de l'unicycle. Tu te tiens après sur le bord des murs, puis que, oups, là, c'est vraiment difficile. Mais je pense que c'est une belle image. Fait que pourquoi le billon? Pourquoi j'ai intégré le billon, c'est une technique d'agriculteur. En fait, c'est beaucoup des Américains qui ont développé la technique. Il y a la compagnie Buffalo, la compagnie Anakin, principalement la compagnie Buffalo qui a mis la technique au point des années 80-90. Sur des agriculteurs qui voulaient vraiment réduire le travail des sols. C'est vraiment le début des semis directs dans la régie conventionnelle. Ça vient aussi beaucoup d'expériences d'agriculteurs que j'ai côtoyé comme quand j'étais un grand nombre consultant qui maîtrisait cette technique-là. Pourquoi le billon? Un des principaux facteurs, c'est l'aspect. La température de mon sol. Au Québec, les sols, les températures froides au Québec. L'eau. Fait que si j'ai un sol plat versus une butte, je viens impacter énormément la température de mon sol au printemps. Au printemps, c'est que. Fait que le fait d'avoir une butte, puis pourquoi c'est plus chaud sous la butte? Plusieurs raisons. L'angle d'interception du soleil est plus grande. Ta surface d'interception de soleil est plus grande.
ton eau, elle va percoler beaucoup plus. La butte va s'assécher beaucoup plus rapidement. Puis nous, au printemps, c'est l'enjeu, c'est toujours trop humide à cause de la neige qu'ils font. Fait que plus ton sol se réchauffe rapidement, vous comprenez que plus ton sol, plus tu as l'aspect de minéralisation, on va se faire beaucoup plus rapidement. Puis en bio, la gestion de fertilité, la minéralisation est un enjeu très important. Fait que le biome permettait vraiment de. Je venais comme compenser une faiblesse au niveau de la température du sol. C'est un moyen pour moi vraiment d'impacter sur la température du sol et sur la minéralisation. Et la forme du biome est très importante. On veut vraiment, quand on fait un biome assez évasé pour gérer toute la gestion de l'humidité. Okay? Vous allez voir tantôt dans les photos, c'est que la technique, au niveau de la butte, j'ai découvert qu'il pousse, ou ça peut être un résidu de maïs qui est ici. Je vais venir, on dit le terme scalper, où on va venir travailler, on va enlever environ 2 à 3 cm de sol maximum sur une bande de 12 à 15 cm. Et on va venir semer notre culture sur la bande-là. Mais si on a un billon qui est beaucoup trop évasé, on sème dans des conditions humides. Ça, c'est bien important, tu sais. Puis un des principaux facteurs en régie bio, je pense que la photo elle parle, c'est la régie des adventices annuels. Est-ce qu'il y en a qui peuvent comprendre pourquoi j'ai plus de mauvaises herbes dans l'intra-rang versus sur le rang? C'est une hypothèse? Parce que vous voyez vraiment qu'il y a beaucoup moins de mauvaises herbes sur le rang. Elle est simple. C'est les mauvaises herbes qui viennent te contaminer, c'est souvent les mauvaises herbes des adventices de l'année suivante, l'année précédente. Fait que c'est eux qui ont le plus haut taux de germination. Fait que si j'aurais une régie conventionnelle, j'aurais tout travaillé mon sol, j'aurais tout mélangé la soupe, comme on disait, j'aurais tout mélangé ces mauvaises herbes-là dans tout mon profil de sol que j'ai travaillé. Fait qu'ils vont germer partout. Tandis qu'en ayant seulement travaillé ma bande au printemps, les mauvaises herbes qui ont poussé dans mon maïs, exemple, ça c'est la culture de soja après, qui se fait après mon maïs, tout ça, c'est les mauvaises herbes, les setters, les mauvaises herbes que j'ai pas réussi à contrôler dans ma culture de maïs. Ils ont produit des graines, ils ont tombé à la surface. Moi, je suis arrivé au printemps, j'ai pris le sol qui était sur ma bande de semis, je l'ai envoyé dans mon entre-rang. Fait que dans ma zone de semis, je me ramasse, j'ai pratiquement zéro graine de mauvaise herbe de l'année suivante. Fait que ça me permet d'avoir une zone qui a beaucoup moins d'historique de mauvaise herbe d'adventice. Ça, c'est très, très important. C'est une des raisons principales que je suis allé en Billon, c'est pour ça. Parce que toute la notion des mauvaises herbes de l'année suivante qui viennent te contaminer, le Billon me permettait d'avoir vraiment un impact sur les annuels, sur ma bande de semis, parce que c'est toujours la bande de semis qui est la plus dure à contrôler. Parce que chez moi, on peut semer du soja au 7 pouces et demi, 15 cm. Je fais des traductions parce que nous, on marche en pouces. Okay. Mais moi, je sème mes soja au 75 cm. Fait que ça, je pense, c'est une des principales raisons qui m'a amené. C'est vraiment parce que plus qu'on travaille les sols, bien, ça dépend. La gestion, non, quand on ne laboure pas, on diminue un peu peut-être les vivaces, mais on améliore les annuels. Mais quand on ne laboure pas, mais on travaille les sols pareil, on augmente aux annuels, mais la gestion de vivaces est très différente. Moi, mon enjeu, c'était vraiment, avec le billon, je frappais vraiment les gros murs, c'est surtout les vivaces. Fait que là, je vous parle un peu le processus, ça, c'est mes premières années. Premières années, j'ai commencé à faire du billon. Ça, c'est un champ, là, on est au printemps. Ça, c'est juste avant que je sème mon soja. J'avais les premières années des problématiques de mauvaises herbes vivaces, des pissenlits. Puis c'est vraiment un couvert d'adventices. Là. Puis là, c'était vraiment très déstabilisant parce que tu arrives au printemps, là, c'est un couvert, là, c'est vert. Là. Ouf. C'est vraiment déstabilisant.
Fait que je te dirais qu'au début, ça m'a pris un certain courage. Puis regardez, après j'ai ensemencé mon soja. Là, j'étais encore les mêmes pissenlits, ils étaient encore là. C'est dans l'entre-orange. Ma bande est relativement très propre. Mais il fallait que je gère mon entre-rang. Puis je sais pas si tu savais, ça, c'est les voisins, là. Je peux te dire que ça demande un travail, hein? Les voisins, ça demande qu'est-ce que j'ai semé. Tu sais, parce qu'il y a tout un... OK? Mais l'important, c'est que ma gestion de mon rente est relativement très... quand même relativement très propre. Mais ça m'a amené à travailler très fort, à innover, à gérer, à détruire cette plante, ces mauvaises herbes-là. Puis l'autre élément, j'ai pas aucun labo, les résidus de maïs sont encore dans l'entre-rang. OK? Je vais vous montrer aussi mes outils, comment je fais pour décaper. Mais j'ai eu tout un outil, un défi à gérer les résidus. Fait que j'ai un cercleur lourd, qui est un cercleur en écœur, qui est c'est une patte d'oie. Puis je peux modifier les largeurs de couteau. Je peux mettre des couteaux plus larges, plus longs. Puis j'ai même modifié, j'ai reculé ma patte d'environ de 15 cm pour donner plus de dégagement. Puis j'ai même des couteaux, on appelle ça des cutaways, des disques qui vont vraiment là, aller proche du rang. Tu sais, ça c'est vraiment, je vous donne des photos des problématiques que j'ai frappées. La gestion des résidus, la gestion des mauvaises herbes adventices à l'intérieur. Mais ça c'est vraiment, c'est un outil vraiment cercleur-là. Je pense pas que vous avez ces types d'outils-là, mais c'est des outils très polyvalents. C'est relativement pas simple, relativement pas si simple que ça à ajuster. Mais avec un peu d'expertise, on réussit à quand même relativement à faire un bon travail. Regardez, j'ai quand même je réussis à quand même, on voit mon soya, puis j'ai un très bon contrôle, tu sais. Mais ça demande relativement beaucoup de précision. Puis le billon, aujourd'hui, j'ai un système RTK d'autoguidage de mon tracteur, parce qu'on s'entend sur butte, aussitôt qu'on décale la butte, là, on perd vraiment tout l'avantage du système. C'est un enjeu. Mais ça me permet vraiment de bien positionner et avoir un cerclage assez précis. Mais ça paraît pas, mais tu sais, j'ai quand même sur le rang, j'ai très peu de mauvaises herbes. Fait que ça, au début, ça a l'air vraiment. Avant que j'aie fait mon premier binage, mon premier cerclage, là, c'est vraiment spectaculaire comment ça peut être. Tu te demandes quelle sorte de culture tu as semé. Mais après, tu as passé mon premier binage, là, c'est vrai. Là, après ça, les champs on a une récolte, tu sais. Puis l'important, c'est toujours avoir l'esprit de la... comment je pourrais dire ça? Du résultat final. Fait que ça, je vais donner un exemple. J'étais arrivé des fois des années, là, j'avais des super bons contrôles de soja. Super... regardez, c'est super propre. Il m'arrive d'après. Un peu de la grêle. Puis là, mon système, c'est complètement les mauvaises herbes, beaucoup de lumière. Là, c'est les mauvaises herbes sont rentrées dans mon système. Puis j'ai frappé, comme je vous dis, des mauvaises herbes, beaucoup d'enjeux. Vu que je travaillais beaucoup moins mes sols, moins de labos, une énorme pression de mauvaises herbes vivaces, des chardons, des champs, de l'étron. Fait que là, ça m'a amené, c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment dans une guerre du vide. La guerre du vide qui est vraiment... Fait que bon, j'ai dit, comment que je fais dans cette guerre-là pour... Fait que c'est là que j'ai commencé à introduire des céréales d'hiver parce que j'ai observé que les mauvaises herbes vivaces ils rentraient dans mon système à partir du mois de septembre, octobre, novembre et surtout au mois d'avril et mai. Les périodes où mes cultures n'avaient pas utilisé de niche écologique en place. Fait que j'ai commencé à mettre des couverts, des plantes qui sont venues utiliser les niches écologiques 365 jours par année. T'sais, c'est sauf que là, ça m'a amené d'autres défis. Genre. Mais c'est. Fait qu'il commence à intégrer à faire du régrasse, avec des trèfles incarnés les premières années dans mes couverts de maïs. Parce que surtout que le maïs, au mois de septembre, il commence à jaunir, tu as des niches écologiques qui ne sont pas utilisées. Fait que j'ai commencé à mettre des engrais verts à ce moment-là. Puis là, c'est là j'ai eu d'autres problèmes. Ça, c'était mon champ de soya. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Ça, c'est un champ de soja. Ça, je peux vous le dire, là, cette année-là, je pense que là, je m'avais beaucoup questionné là, sur le choix de mes couverts. Okay? Mais ça, c'est un exemple du gars qui a tombé en amour, qui là, il frappe un mur. Parce que, puis,
par curieusement, j'avais fait un semoir, j'avais bricolé un semoir modifié. Puis là, ici, mon semoir avait brisé. Fait qu'il marche, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas. Regardez, où est-ce que j'ai aucun couvert, j'ai de la moutarde. Où est-ce que j'ai un couvert, j'ai du régras. Mais j'ai eu un très bon rendement malgré tout dans ce champ-là. C'était plus long, plus fastidieux à sarcler, par exemple. Mon sarcleur a réussi à détruire, là. Ça m'a poussé à mieux ajuster mes semoirs parce que j'ai. Mais ça m'a permis de comprendre, d'observer tout le timing des floraisons. Parce que le régras, il commençait à être en fleur. Puis quand je suis arrivé pour le scalper, quand il était en fleur, je l'ai facilement contrôlé. Mais si on essaie de détruire une plante avant qu'elle fleurit, là. Oh, c'est plus difficile. Ça, c'est des expériences qui m'ont amené. Fait que le biome m'a permis, en fait, pour moi, c'est une école. Je ne vous dis pas que ce n'est pas une technique du futur, mais c'est, pour moi, c'était une école incroyable qui m'a permis d'apprendre à intégrer, à gérer des situations comme ça. Gérer une culture en même temps qu'un couvert végétaux, puis intégrer les deux en même temps, puis à travailler sur une vision de moins travail des sols, tout en contrôlant les mauvaises herbes sans herbicide. Fait que là, j'ai commencé à intégrer d'autres couverts après le. Ben, je me suis pas découragé. Après mes blés d'automne, j'ai commencé à mettre des vestes velues et seigles. Et auparavant, j'ai essayé plusieurs fois des vestes velues. Ça ne passait pas l'hiver. J'ai observé que quand je suis dans ma réalité chez nous, je mettais du seigle et de la veste velue. Oh, ça passait l'hiver. Je crois qu'on comprend très, très mal la synergie des plantes entre eux autres. Mais chez nous, dans ma réalité, le seigle a une capacité d'aider la plante, surtout les vestes, même les pots. J'ai réussi à faire passer des pots autrichiens l'hiver en mélangeant avec du seigle. Fait que, je sais pas si vous voyez, j'ai semé mon engraveur sur billon. Okay? Puis, je sème mes engraveurs autour du 15 septembre. Puis, je te dirais, au printemps, ce qui est fou au Québec, là, c'est du 15 avril jusqu'au 15 de mai, je vais chercher à peu près 3 à 4 5 tonnes de biomasse. Puis à l'automne, je peux semer des engraveurs à l'automne du 15 août jusqu'au mois de novembre. Si je fais 3 tonnes d'hectares de biomasse, là, fait que je vais chercher quasiment en l'espace d'un mois l'équivalent de 3 mois de croissance à l'automne. Parce qu'au printemps, il y a tellement de lumière. Le ratio infrarouge lointain qui est très important au niveau de la floraison. La lumière, les ressources, vraiment au printemps. Puis je trouvais qu'au Québec, c'est une niche écologique qui était inexploitée. Puis tous les sols étaient à nu. Je me dis, tabarouette. Puis l'agriculteur, l'énergie que l'agriculteur a à sa disposition, c'est la lumière. C'est l'énergie gratos que tous les agriculteurs. Puis je pense ça nous a poussé à maximiser les couverts végétaux pour aller capter cette lumière-là, pour la transposer au niveau de la bâtir ma structure de sol, bâtir mon azote, bâtir tout l'écosystème. Puis ça, comme agriculteur, il faut se questionner énormément sur l'utilisation de la lumière. Est-ce que j'utilise ma lumière de façon efficiente? OK? Fait que vous voyez, ça c'est mon décapage. Quand je décape, je vais vous montrer par après, mais vous voyez, je décape une zone vraiment de 12 à 15 cm. J'envoie la terre entre le rang. Puis après ça, je vais venir ensemencer. Vous voyez un peu la zone, là. Ça, c'est l'outil que j'utilise, là. Ça, c'est au début. OK? Puis auparavant, j'avais même ces unités de semoir-là sur le planteur. Puis même, j'ai même modifié. Maintenant, je décape ma bande 24 heures avant de semer. Parce que quand je suis décapé au même moment du semis, c'est souvent trop humide. Juste de décaler d'une journée, je tombe dans un autre monde. Et quand je sème, je suis dans des conditions hyper optimales. Fait que, imaginez, c'est comme un disque. J'ai un disque qui roule avec un disque plat. Puis la distance entre le disque, il faut penser que ça vient au sol comme ça. La distance entre mon rouleau et mon disque permet d'ajuster la profondeur de sol que j'enlève. Okay? Avant que j'avais mon système de guidage, j'avais des systèmes de roues qui permettent de me positionner sur mon billon.
T'sais. Sauf que là, je les ai enlevés parce que j'ai plus besoin. J'étais vraiment un système RTK. Mais le guidage était vraiment un enjeu. Puis j'avais même utilisé des disques pour empêcher mon système de dévier de côté, pour vraiment bien, bien centrer. Fait que vous voyez, la même chose pour le semoir. Puis même, j'ai modifié mon planteur. Au lieu qu'il soit... à ce moment-là, il était traîné, mais j'ai même modifié maintenant mon planteur pour qu'il soit porté. Parce que je veux vraiment de la précision. En ayant des outils tous 100% portés, bien, j'ai toujours ma précision au niveau de mon semi, mon sarclage, parce que si j'ai une perte de précision au niveau de mon décapage, ça induit une perte de précision sur mon semi, une perte de précision de mon sarclage, et ainsi de suite. Tandis qu'en ayant des outils portés, ça permet d'être vraiment bien centré, puis avoir un bon contrôle. Puis regardez, je suis parti à peu près, à ce moment-là, j'avais peut-être 2 tonnes de biomasse, 2-3 tonnes de biomasse, puis j'ai vraiment décapé, puis j'ai vraiment un certain bon contrôle du couvert. Sauf que quand on a des gestions de couvert plus importantes, c'est un autre enjeu. Également, quand on parle couvert bion, j'ai même fabriqué des houes rotatives uniquement positionnées sur mes rangs, parce que si j'ai des résidus de culture, ça ne fonctionne pas. Ou j'ai des couverts interrangs, ça ne marche pas. Et même une DR Cetril pour faire des prélevés, exemple, là, sur mon bion. Puis je peux le mettre en avant de mon tracteur et le peigne. Et ça, en fait, je vous dirais, là, si vous voulez augmenter énormément l'efficacité d'une RC-trill, vous passez la houe rotative en premier et la RC-trill en dernier. Ça fait un incroyable travail parce que des fois, quand on a des mauvaises herbes un peu plus avancées, double n'arrive pas nécessairement à tout déraciner. Mais elle a modifié son contact sur la racine. T'sais, elle est encore enracinée, mais elle est comme chambranlante. Tandis qu'arrive avec une hercétrile, ça va vraiment finaliser le travail. Puis si on utilise seulement la hercétrile sans eau rotative, la hercétrile, le sol est assez croûté. La mauvaise herbe, elle rit complètement de toi. Elle reste là, même si elle reste. Tandis qu'en ayant la eau rotative, ça vient vraiment modifier la surface, le premier centimètre. Fait que la RC-trill vient vraiment compléter le travail. Fait que la combinaison des deux, t'as un énorme avantage. Fait que moi, je peux faire les deux. Soit je mets la houe en avant et le peigne en arrière. Et ainsi de suite. T'sais? J'ai une RC-trill d'environ 4 mètres ou 6 mètres que je peux utiliser dans mes parcelles de blé également. Mais c'est, quand on parle de la surbillon, c'est tout des choses à gérer, des équipements adaptés que j'ai dû créer moi-même pour m'adapter à ça. Même chose dans le maïs, mon sarcleur, vous voyez un peu, j'avais des couverts de seigle. Ben après, j'arrive, je vais venir à sarcler dans ma bande. Ça va relativement assez bien. Mais ici, j'ai fauché mon couvert. Parce que j'avais des problématiques. Quand un peu. Je vais revenir tantôt. Oups. Je pense une photo que je pense qu'il démontre. Avant, au début, je faisais juste décaper, mais plus que j'augmentais ma biomasse, juste le décapage m'amenait un énorme problème par après de gérer mon intérêt. Parce que j'avais. Puis la destruction de mes plantes au printemps devenait de plus en plus difficile parce que, justement, j'ai compris pour contrôler des plantes au printemps sans herbicide, ça prend 3 étapes. La floraison, c'était de détruire une plante avant sa floraison, ça va être très difficile. Faucher sa masse foliaire et venir scalper ou venir couper les racines. Très superficiel, un travail très superficiel. Puis quand je faisais les 3 étapes, floraison, faucher la masse foliaire, puis couper les racines, j'arrivais à un très bon contrôle de mon couvert là, végétal, puis qui ne venait pas trop m'impacter sur ma culture de maïs. Puis ça m'a donné vraiment des bons résultats, des années. Je pense que c'est une de mes plus belles années. J'ai fait un maïs autour d'environ 120 quintaux l'hectare en régie bio. C'est une de mes meilleures années. Je te dirais moyenne, c'est environ 70-80. Ça, c'est ma moyenne annuelle. Mais la parcelle de Vestvelu, ça m'a donné un énorme rendement. C'est vraiment, tu sais,
Ça, c'est mes premières années de... j'ai eu comme au début une belle lune de miel, OK? Mais par après, j'ai eu d'autres problèmes. Je vais vous montrer ça. Puis, au lieu de commencer à juste faire des seigles vestes velues, j'ai commencé aussi à mettre beaucoup de diversité dans mes couverts. Seigle, peau autrichien, mélilo, train fin carnat, févrole. Là, je mets même des tournesols, même dans mes couverts à l'automne. Je commence à... Puis je vais expliquer pourquoi je suis de plus en plus diversifié. Fait que je vous donne ça, c'est un exemple. J'ai semé en 2016, seigle, vesse velue, pois fourragé, févrole, pois autrichien, mélilo, train fin carnat. Puis en passant, au niveau des moi, j'ai une règle du pouce au niveau de mes couverts végétaux. Si, exemple, ma facture annuelle de semences me coûte 10 000 $ il faut que je mette environ 3 000 $ à 4 000 $ en semences de couvert. Toujours 30 %. Ça, c'est ma règle du pouce. C'est que, si, exemple, c'est toujours. Disons que ma facture d'ensemencement pour mes cultures de revenus, le blé, maïs, soja. Si ça totalise, exemple, 10 000 $ de semences, il faut que j'en mette 3 000 $-4 000 $ pour les couverts. C'est-à-dire que ça me coûte 13 000 $-14 000 $ au total. Ça, c'est ma règle du pouce. 30 % du coût doit être alloué à des semences de couverts. Tu sais, exemple, pour bâtir ma fertilité. Ça, c'est une règle générale, tu sais, mais ça s'applique, tu sais. C'est quand même assez de base. Puis, j'ai un semoir très... C'est un semoir qui est porté. J'ai un porte-outil que je peux faire du semis direct avec des coutres qui vient comme... mais je l'enlève à l'automne. Puis, vous voyez, même si je fais des billons, les unités suivent quand même pareil. Puis, je te dirais, le désavantage, c'est que sur le billon, je sème plus creux, puis dans le torrent, je sème moins creux. Mais l'automne, c'est tellement tout le temps trop humide que j'ai aucun problème dans l'ensemencement. C'est toujours uniforme. OK? Puis même le blé dans le blé d'automne, je fais du blé des fois d'automne sur billon. Les parcelles qui sont mal nivelées, j'aurais beaucoup de pertes si j'étais en plein champ, mais le billon me permet d'avoir pratiquement zéro perte parce que j'ai tout un canal, mes canaux d'eau, l'eau s'évacue beaucoup mieux. Vous voyez, ça, c'est une année où j'ai fait un super beau couvert. Ça, c'est l'année après le mix complexe. J'ai amélioré mes techniques un peu plus. J'ai même doublé mes biomasses. Fait que ce que je faisais, c'est que j'utilise un... En anglais, c'est un flail mower. C'est un chopper à maïs pour broyer les cannes de maïs, principalement, que tu utilises au printemps. Mais je broie mon engrais vert avec ça. Puis après ça, j'arrive avec un outil que je vais amener, que je décape, que j'ai modifié. Vous voyez, au début, j'avais juste mon outil. Ma bande qui était en avant, ici, on le voit pas, mais ici, mon disque. Sauf que j'avais un enjeu, c'est que toute la gestion du flanc de chaque côté du billon, j'avais comme une zone qui était très problématique, parce que la zone où mon sarcleur vient finir, sa zone d'intervention versus ma zone décapée, j'avais toujours une bande qui était dure à un entre-deux. Fait que je me suis comme bricolé un système de couteau qui va venir couper cette zone-là au printemps. Tu sais, pour vraiment... Fait que j'ai comme... Ça, c'est mon premier prototype. Tu sais, c'est pas... Il y a beaucoup de... Tu sais, mais j'utilisais les outils que j'avais chez nous. Fait que j'ai le même système, le disque plat. Et par la suite, j'ai utilisé vraiment un disque pour venir vraiment trancher avec un genre de lame de lièvre ou un couteau à 90 degrés, mais moi, je l'ai mis à 135 degrés. J'ai coupé ma lame pour vraiment suivre la forme de mon billon, qui va venir vraiment scalper. C'est vraiment un travail très superficiel. C'est pas un travail en profondeur, mais très superficiel. Ça m'a amené vraiment, là, avec ça, j'ai réussi à contrôler mes couverts vraiment merveilleux. Je pense que c'est la vidéo que vous avez observée, je pense que c'est la parcelle. Puis regardez, ça, c'est la parcelle que j'avais pas fauché, ma parcelle. J'ai eu beaucoup de problèmes à détruire à nouveau mon sarclage par après. T'sais? Sauf que ça m'a questionné énormément parce que si on voit vraiment l'outil, le travail, les couteaux viennent vraiment travailler superficiel. T'sais? Puis pour arriver à ça, ça a pris quelques prototypes. Puis je te dis, c'est même pas encore au point. Ça fonctionne, mais il y a encore peut-être de l'amélioration technique à faire, mais ça fonctionne.
Fait que vous voyez un peu le sarclage par après. Puis j'implante aussi à ce moment-là souvent des engraveurs, d'autres engraveurs intercalaires. On est autour du 24 juin chez nous. Okay? Fait que ça donne. Puis j'ai vraiment le maïs super propre. Puis comme en termes de régie, j'ai un décapage, un semi, une ou double modifiée au niveau du contrôle des adventices sur le rang. Je vais sarcler 2 à 3 fois maximum. Ça, c'est les seules interventions, aucun labo. Vraiment, ça, c'est la... Mais cette année-là, j'ai eu un... Je pense que cette parcelle-là, j'ai eu peut-être un 10 tonnes hectares. Mais j'avais tellement amélioré ma technique de... Vous voyez, ça, c'est vraiment le mot du bionnage. Puis le bionnage, ici, vous voyez, c'est comme une patte d'oie, là. Vois-tu, il y en a... Puis c'est comme des lames. C'est comme vraiment qui vont venir... Je viens comme buter mon maïs, là, environ une dizaine de centimètres, là, pour avoir un billon assez évasé. Vous voyez, puis le maïs était super propre. Puis je pense que le fait de détruire le couvert, la veste venue me donner vraiment une bonne minéralisation de au niveau de ma culture. Ça a vraiment donné vraiment la minéralisation. Puis je pense que pour réussir un maïs, il faut que la fertilisation vienne principalement des cultures de légumineuses. T'sais, toutes les fois, j'ai essayé de faire des maïs bio avec des sources d'approvisionnement de fumier, un azote qui vient du fumier, là. C'est tout le temps une infestation de mauvaises herbes. Tu fertilises plus les mauvaises herbes que d'autres. On dirait que l'azote n'est pas digéré, n'est pas assimilable par le maïs. Fait que vraiment, j'ai eu un très bon. Puis à ce moment-là, au mois de juin, j'implante des couverts. J'ai commencé à faire du trèfle incarné. J'ai commencé à faire du régrasse et du trèfle UA. C'est un trèfle nain, environ là, une dizaine de centimètres. Fait que j'ai eu un super bon rendement cette année-là. L'année d'après, ça, c'est une année que j'avais regardé comment j'ai réussi à contrôler mon seigle, fauché. Mais j'ai tellement très bien contrôlé mon couvert, je me suis ramassé un autre problème, la légionnaire. La légionnaire a tout mangé mon maïs, il restait juste le collet, bref. Fait que, tu sais, puis la légionnaire, c'est un insecte qui est... Au Québec, on a très peu d'enjeux, on a beaucoup d'enjeux de mauvaises herbes. L'enjeu des insectes est très peu... C'est un enjeu qui est très... Moi, je me souciais jamais des insectes, on n'avait jamais de problème d'insectes. Là, pouf! Puis pourquoi le légionnaire? Parce que c'est des nuées qui arrivent souvent du sud des États-Unis. Puis ça répare, ça aime beaucoup les champs de graminées. C'est pas compliqué, les seuls champs verts dans le coin, c'est chez nous. Fait que là, on atterrit dans mes couverts. Puis j'ai pas dépisté au printemps. Tu sais, je me souciais pas de ça. Fait que là, je pense que j'ai encore reproduit la guerre du vide. Parce que je crois que parce qu'ils préfèrent le seigle versus le maïs, le légionnaire. Si j'aurais laissé, je pense, une bande de seigle, à mon avis, j'aurais eu moins de problématiques. Fait que j'ai tellement très bien amélioré mes techniques de gestion de couvert sans herbicide que ça m'a créé d'autres problèmes. Fait que là, ça, c'est un enjeu. Maintenant, je dépiste beaucoup mieux. Je prends le temps de dépister. J'aurais pu traiter au BT, mais c'était beaucoup trop tard. Mais avoir dépisté auparavant ma parcelle d'engraveur, j'aurais peut-être traité au BT. Mais c'était toute la réflexion, tu sais, où est-ce que j'ai me suis questionné beaucoup à détruire mes couverts, puis finalement, je me suis dit j'étais peut-être encore trop poussé la note. OK? Fait que ça m'a donné d'autres problématiques. Puis une autre année, ça, c'est une des pires années. Je vous montre un peu de certains échecs que j'ai eus. J'avais fait un maïs sur un retour de champ j'avais nivelé. On a plus, faire un maïs bio sur un sol déstructuré, là, ça donne ça. Parce que les mauvaises herbes prennent le dessus, puis là tu perds tout ton avantage. Là, c'est, en tout cas, c'est vraiment ça. C'est une année où ça a eu quoi? Peut-être un 40 quintaux à l'hectare environ dans le maïs. Mais ça m'a amené, quand je fais du maïs en bio, il faut que mes sols soient hyper bien structurés. Fait que là, on suit encore mes cultures. On est après mon maïs. On voit un peu les cannes de maïs l'année d'après, l'année d'avant. On voit le printemps, toute la trèfle, il y a de la lumière. Toute la trèfle que j'ai implantée
au mois de juin l'année d'avant, il vient tout couvrir la beauté du trèfle. Et vraiment, il se reproduit par stolon. Il va s'étendre, il va coloniser tout l'espace au niveau de ses stolons. Fait que je tombe avec un champ vraiment tout vert ou presque. Fait que vraiment, j'utilise ma niche écologique. Tu sais, vraiment, j'utilise, je comble mon vide par le trèfle. Même chose, je viens comme ici décaper avec mon outil, ma bande, au niveau de mon trèfle. Fait que, même chose par après, je vais semer. Puis là, à ce moment-là, c'est que je vais mettre de la terre un peu sous mon trèfle et je vais le ralentir. Le trèfle qui est dans l'interrand, il n'est pas tout mort, mais je l'ai ralenti. Puis, vous allez voir, il va recoloniser, il va revenir avec ses stolons, il va venir se rapprocher du rang. Mais je donne juste l'espace-temps de mon soya de sortir. Comme vous voyez ici, un peu l'évolution, j'ai semé. Puis, regardez un peu plus tard. Regardez les bandes, parce que le trèfle, il prend le dessus. Mais je donne l'espace-temps à mon soya de sortir. Regardez, vous voyez encore l'impact sur les mauvaises herbes. Regardez comment sur le rang, j'ai très peu d'adventices. Ça, c'est vraiment l'impact du billon, parce que vu que je n'ai pas tout travaillé, tout mon sol, mes mauvaises herbes adventices dans mon maïs, les mauvaises herbes sont dans l'entre-rang. Fait que c'est un peu la technique. Fait que là, je donne juste l'espace-temps. Puis là, le trèfle, lui, il pousse, là. Fait que là, bien important, si j'aurais essayé de détruire le trèfle, plus j'essaie de détruire le trèfle tôt, plus je travaille dans le mauvais sens, parce que j'ai appris que pour détruire une plante, la floraison, c'est beaucoup plus facile de détruire un trèfle à ce stade-là que ce stade-là. Souvent, en tendance, on a peur, tu sais. On veut détruire rapidement ce qu'on a peur, mais c'est beaucoup plus facile. Détruire un trèfle à ce stade-là, c'est beaucoup plus facile. Parce que lui, on dirait qu'il atteint sa floraison. Il dit, moi, j'ai fait mon cycle. Tandis que si j'essaie de détruire un couvert avant, qu'il soit en fleur, un trèfle, là, je viens de le reproduire x2. Là, je viens de donner du gaz là, pour qu'il soit encore plus. Je le stimule. Fait que des fois, ça travaille énormément la patience d'ingérer des couverts au printemps. Fait que vous voyez un peu, je comble mon vide avec un trèfle. Puis, regardez, j'ai quelques plants d'herbe à poux. Ma principale mauvaise herbe que j'ai annuelle, c'est l'herbe à poux. OK? C'est une des. Je sais pas. Ambrosia. Du coup, c'est les pollens, là, c'est ça? Là? Enfin, c'est ça. On n'a pas la même plante, c'est ça? C'est ma principale problématique là, en bio. Là, Puis, où est-ce que j'avais du trèfle, principalement, là, j'avais beaucoup moins d'ambrosia. Puis, ambrosie. OK. Puis, j'ai un énorme problème de moutarde. La moutarde, chez nous, c'est après 35 ans, c'est plein. Mais où est-ce que j'ai du couvert, j'ai beaucoup moins de moutarde. J'ai un petit plant parti. Fait que tant qu'à gérer des mauvaises herbes, je préfère gérer des couverts. J'ai choisi mes combats. T'sais? Fait que je sais qu'il faut que je gère les deux, mais je préfère beaucoup mieux gérer des couverts parce que mes couverts, je peux avoir un certain impact sur leur développement. La gestion, tu sais, quand tu as une multitude, parce que c'est comme une plante à gérer, là. Mais quand tu as des mauvaises herbes, tu as 10 plantes avec 10 cycles différents à gérer. Fait que je préfère gérer, me casser la tête à gérer ce couvert-là versus toutes mes mauvaises herbes. Fait que c'est un peu la dynamique, la réflexion. Regardez, après, un coup, j'ai passé mon sarcleur. J'ai vraiment un outil, là. J'ai vraiment ma bande de soya. Puis ça, j'ai pas impacté sur la croissance de mon soya. C'est sûr que le fait de laisser une bande, j'ai donné l'espace-temps au soya de vraiment de s'implanter puis de sortir. Mais vraiment, le couvert, puis à ce moment-là, j'ai très peu de repousse. J'ai un peu de repousse, mais tu sais, là, il nuira vraiment pas au niveau de ma récolte. Vous voyez l'impact un peu sur la légale. Ici, c'est un champ qui a zéro trèfle. Regardez, le niveau d'adventice, là, c'est le party. Tandis qu'un couvert, ici, là, j'ai beaucoup. Tu sais,
Les deux, j'ai de la verdure. Mais ici, j'ai une dominance trèfle. Ici, j'ai une dominance de multi-espèces de mauvaises herbes. Fait que je préfère cette condition-là. Puis gardez un peu, comme je vous dis, que j'avais un problème d'infestation. J'avais fait des bandes de semis à la volée de trèfle. Fait que où est-ce qu'il y a du trèfle, j'ai pratiquement pas de moutarde. Où est-ce que j'ai pas de trèfle, j'ai de la moutarde. Fait que je suis venu combler un peu le vide par les couverts. Gardez un peu à l'automne, j'étais avec un super rendement. Je pense que cette parcelle-là, j'avais sorti 3500 kilos, 35 quintaux à l'hectare. C'était vraiment. C'était un, puis gardez un peu, ça c'est un peu le résidu de trèfle que j'ai. J'ensemence souvent à la volée un sec vesvelu. Puis j'ai fait un peu de trèfle qui repousse. Mais à ma récolte, là, ça me donne aucune problématique. C'est vraiment très, très bas. Tu sais, fait que fait que j'ai encore un système de trèfle qui tourne dans mon système. Mais tu sais, c'est relativement très. C'est pas trop une problématique. C'est vraiment pas trop une problématique. J'utilise la même technique aussi. Quand je vous dis, quand je faisais des techniques des champs, que je faisais des opérations de nivellement. Ou ce que je sème du seigle, la même chose, je vais broyer mon seigle sur billon, je vais venir utiliser mon outil, est-ce que je vais venir la même technique, puis ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. J'ai vraiment là, un bon contrôle. Il faut un peu de seigle qui repousse, mais vraiment que le sarclage, j'arrive à avoir un certain bon contrôle, puis je pense que je réussis à vraiment là, à bien gérer les adventices. Fait que la technique fonctionne autant avec le blé ou qu'avec une autre culture. OK? Regardez, tu vois, ça, c'est des parcelles, j'ai un peu de chardon. C'est un peu une des mauvaises herbes là, principales que j'ai à gérer sous l'entreprise. Là. Ça, c'est un outil que j'ai commencé à utiliser depuis 2 ans. C'est un outil développé dans l'Ouest américain, l'Ouest canadien, pour faire des jachères à faible coût. Avec un peu de. En fait, les conditions très, très, très secs, ils veulent garder l'eau, fait qu'ils veulent pas avoir des plantes pendant un an. Fait que c'est vraiment des pattes d'oie sur 1,5 m environ. Qui vraiment. On va juste venir couper vraiment là, environ à 3-4 cm maximum. On va juste soulever le sol, puis ça va. Très peu de perturbations. Il n'y a pas de perturbations. Vraiment, c'est vraiment couper les racines. C'est vraiment un scalpage là, vraiment là, très large. Moi, c'est un outil, je pense, qui fait au-dessus de 4 mètres. Fait que vraiment, là, puis ça me permet, des fois, vraiment couper des racines de chardon au printemps, des blés, vraiment, mais avec un minimum de perturbations des sols. Fait que, tu sais, c'est vraiment un outil vraiment à ce que je suis encore à l'expérimentation, mais c'est un peu le type d'outil que j'expérimente en ce moment. Puis, vous voyez, avec cet outil-là, j'avais un champ de seigle. J'ai broyé. J'ai passé cette machine-là. Regardez l'impact, c'est comme un coup de Roundup. Là. C'est comme un coup de glyphosate. Puis, j'ai ensemencé mon soja. Puis, même, je suis arrivé pour sarcler dans ces conditions-là avec mon sarcleur lourd. Ça fonctionnait très bien. Je ne sais pas si on voit bien, mais j'avais quand même un champ très, très propre. Là. Au niveau de mon soja, puis j'avais, tu vois, une bonne implantation d'un seigle à la volée. Tu sais, là. Fait que j'ai toujours une plante qui tourne. J'essaie toujours avoir jamais de. Puis, je vais vous partager certaines observations, des hypothèses que je vais émettre un peu par mon expérience, puis toutes les observations que j'ai faites comme agriculteur. Puis moi, je pense que comme agriculteur, on connaît rien, comme je vous ai dit, de la synergie des plantes. Moi, je pense qu'il faut créer un tableau périodique des plantes, de la synergie. On connaît très peu l'interaction de telle plante avec telle autre plante. On connaît très, très peu dans nos tout débuts. Tu sais, tout un effet de synergie au niveau des plantes. Donnez un exemple. Ici, j'ai réussi à faire passer du pois autrichien au Québec à survivre à l'hiver, mais j'ai toujours à côté d'un plant de seigle. Fait que tout l'effet de synergie, le plant de seigle va donner vraiment un effet synergique au niveau du pois autrichien. Au niveau de sa survie dans des conditions difficiles. Fait que, tu sais, c'est tout l'aspect dynamique des relations des plantes ensemble. On connaît vraiment, vraiment rien.
Ça, c'est un graphique vraiment intéressant. J'ai pris ça dans un livre là, américain, Flower Plant. Toutes les, en fait, ça illustre toutes les plantes, la disposition, l'évolution de toutes les plantes à fleurs. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis, je me suis beaucoup questionné par rapport à ce graphique. Je m'utilise vraiment ce graphique-là souvent parce qu'on voit vraiment toutes les familles de plantes. On voit ici les graminées, les légumineuses. On a ici les astéracées, les composées. On a ben, l'urticale, on a le chanvre, exemple ici, les caparales, toutes les crucifères, canola, colza ici, les cariophyllacées, les betteraves sucrières, quinoa, les liacées, l'ail, les oignons, ces choses-là. Puis là, j'ai commencé à observer ça, puis je me suis dit, dans nos dynamiques, on a toujours, chez nous au Québec, principalement, graminées légumineuses, graminées légumineuses, graminées légumineuses. Puis moi, je fais l'escalade. Quand j'ai deux points d'appui, hein, je suis toujours en débalancement. Je prends toujours trois points d'appui. Puis là, je me suis commencé à observer mes mauvaises herbes. C'est quoi les mauvaises herbes que j'ai? Ambrosie, chardon, laitron. C'est quoi que je cultive pas? C'est ça que je cultive pas, puis c'est ça que j'ai comme mauvaises herbes. Bon. Après ça, qu'est-ce que je cultive pas? Les crucifères dans mon système, j'ai full moutarde. Fait que j'ai encore ça. Fait que j'ai un peu de un peu d'amarante, puis un peu de chénopode. Chénopode, c'est une cariophyllacée. Fait que toutes les mauvaises herbes, je me suis rendu compte que les principales mauvaises herbes que j'avais, c'est toutes des familles que je ne cultivais pas dans mon système. Fait que je me suis dit, attends un peu, là. Puis là, la science de la guerre du vide, je dis, je vais fait qu'ils ont sûrement un rôle à jouer. Fait que je remplace, j'essaie de trouver des plantes de couvert dans les mêmes familles que je vois que mes mauvaises herbes. Fait que je remplis le vide avec par le. Puis j'essaie toujours de trier. C'est une hypothèse, je pense qu'il faut créer un triangle d'équilibre au niveau de nos espèces. Ça prend un triangle au niveau graminées légumineuses avec une autre famille. Puis l'autre hypothèse que je vais émettre, c'est vraiment une hypothèse, pas une vérité, c'est une hypothèse d'observation. Je crois que ce triangle d'équilibre au niveau des familles de plantes, il faut qu'il soit corrélé avec notre texture de triangle des textures de sol. Si, exemple, on a plus de limon, c'est avoir peut-être plus de proportion dans notre mélange de tel type de famille versus tel autre. Tu sais, je pense qu'il y a une corrélation à faire. Je ne sais pas nécessairement comment la faire, mais je crois qu'il y a une corrélation à faire entre un triangle. Puis ce que j'ai observé au niveau aussi, ça prend toujours trois plantes. Ça prend une dominante, qui est ma culture, une dominée qui vient prendre la niche écologique, mon trèfle, par exemple, et une médiatrice qui va venir faire le relais pour la prochaine culture. Quand je vous dis des relations, hein, c'est un peu ça. C'est un triangle amoureux. Hein. Ça prend une dominante, une dominée puis une médiatrice. Hein. Ça prend toujours une fait dans nos systèmes. Puis quand je dis dominante, ça peut être plusieurs aussi dans nos mix. Hein. Mais ça prend toujours la notion, je pense, c'est vraiment une hypothèse là, que tu veux ta culture dominante sur ta culture payante, une culture de couvert qui va venir prendre la niche écologique et une culture qui va venir faire le relais pour la prochaine culture. C'est toujours un peu une réflexion que mais vraiment, sur ce graphique-là, je trouve que de façon qu'il est illustré, j'aime vraiment comment il est illustré. Tu vois, les solanacées, c'est vraiment ici. Les pommes de terre sont ici. Tu as les violelles qui sont les cucurbitacées, vraiment. Les ombellifères. Je connais pas toutes vos dynamiques de mauvaises herbes, mais ce serait intéressant de voir où se situent vos mauvaises herbes principales au niveau des familles. Puis c'est quoi les familles que vous cultivez pas? Je suis à peu près sûr que ça va cocher. Je suis à peu près sûr que ça va. Il y a un lien. Puis, comme je dis, l'agriculteur, il faut qu'il trouve son algorithme. Hein? Quand je dis un algorithme, c'est le fruit de l'expérience des connaissances. Quand moi, j'arrive dans mon champ, ça, il faut que je fasse. Mais chaque agriculteur a son algorithme. Puis, son algorithme, il faut qu'il se partage, il faut qu'il se nourrit à tous les années. Puis ça se fait surtout en expérimentation. Donner des expérimentations que j'ai faites cette année. Ça, c'est un supposé champ de chanvre. OK? J'ai semé un mélange de luzerne, teff et chanvre. Finalement, c'est le chanvre qui a complètement tout dominé ma culture.
vraiment. Puis j'ai observé, on ne voit pas très, peut-être pas sur cette photo-là, on ne voit pas très bien, mais ici, j'avais des arbres. Puis j'avais un soleil, le soleil qui, vraiment, où que y avait, les arbres donnaient un ombrage toute la période matinale. Mais le chanvre, où ce qu'il y avait de l'ombrage, il a vraiment été dominant. Ça, c'est avec des erreurs qu'on fait des observations. C'est, j'ai compris que les gramnées, c'est vraiment des plantes de lumière. Toute la gestion de la lumière est vraiment importante. Fait que si tu amènes, vraiment, c'est questionner vraiment à ce niveau-là. Puis un autre test que j'ai fait, une de mes mauvaises herbes que j'avais aussi chez nous, c'est de la setter, qui est une C4. Tu as des graminées à C3, des graminées à C4. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. C3, C4, c'est la photosynthèse est beaucoup plus efficace. Le maïs, le sorgho, le millet. La setter est une mauvaise herbe à C4. Bien, j'ai dit, bien, elle vient jouer un rôle dans mon système. Fait que j'ai voulu travailler avec de la setter, j'ai dit, je vais mettre du millet. Puis j'ai essayé de faire des doubles récoltes. J'ai dit, tant qu'à récolter du soja, je vais récolter du millet en même temps. À date, j'ai eu des traits. En fait, mon soja, ça a bien récolté. La quantité de millet, j'avais beaucoup de pertes à l'agrénage. Peut-être une gestion. Moi, c'est vraiment une validation d'observation au début. Je voulais voir si mon timing, la synchronicité au niveau de la récolte, si je serais à maturité. Je pense qu'il y a vraiment de quoi intéressant comme double récolte. Je pense que si je trouve peut-être la bonne génétique au niveau du millet, je pense que ça peut être une technique vraiment intéressante. Parce que ça ne s'est pas venu impacter sur mon rendement. T'sais, parce que ça vient chercher des niches écologiques très différentes. Fait que c'est toutes des réflexions. J'essaie toujours de combler mes vides avec des plantes, faire des mix. Fait que tu sais, en fait, c'est un peu la réflexion. Okay? Un autre essai que cette année que j'ai fait, c'est j'ai semé. Ça, c'est le champ de soya que vous vous rappelez sur mon trèfle. J'ai fait un retour, j'étais allé en maïs sur ce champ-là. Okay? Au printemps, j'avais tout. Regardez, ça, c'est les repousses de trèfle qui ont réussi après ma récolte de soya, de soja qui ont repoussé. Puis, j'avais implanté à ce moment-là dans mon mélange de il y a 2 ans auparavant, de la luzerne à la volée dans le maïs intercalaire. Que j'avais pratiquement pas vu l'année de soya, mais il a réapparu. Il y avait des plants, des bouquets de luzerne un peu partout dans cette parcelle-là. Fait que j'ai ensemencé le maïs dans cette parcelle-là avec la même régie de billon. T'sais. Vous voyez ça, c'est vraiment juste avant que je détruise mon couvert avec le sarclave. Parce que vous voyez, un coup, j'ai détruit mon couvert, ça a vraiment eu un. Je te dirais, au niveau des contrôles de mauvaises herbes, c'était super. Mais j'ai eu pas des gros. J'ai eu à peu près 40 quintaux à l'hectare. C'était pas une question de gestion du couvert, c'était une gestion de la fertilité des sols. J'ai juste mis 2 tonnes d'hectares de fumier de poulet à la volée, qui était très peu suffisant. Puis moi, je manquais énormément de fertilité au niveau de mon précédent cultural. Puis c'est là que c'est venu me questionner, nous, énormément sur la question du carbone labile. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le carbone labile? C'est le niveau du carbone. T'as le carbone, souvent, c'est le carbone total, carbone organique total. Le carbone organique, le carbone labile, c'est la portion de carbone qui se décompose très rapidement dans ton système. C'est la portion de carbone, exemple, disons que tu fais pousser ta biomasse pendant 1 an. Cette biomasse-là va former beaucoup de carbone labile parce qu'elle va se digérer rapidement. Okay? Ça m'a amené à réfléchir énormément au niveau de mes systèmes à la question de carbone labile. Puis je vais vous donner une analogie. Elle n'était pas parfaite, mais je pense qu'elle exprime bien la notion de comment le carbone fonctionne. Je trouve que le carbone dans un sol, c'est comme la cylindrée d'un moteur. Plus tu as du carbone organique, plus tu as de nombre de cylindrées d'un moteur. Mais je pense que si tu as bien beau avoir un gros moteur, si tu n'as pas de carburant, ça ne marchera pas longtemps. Okay? Puis il y a quoi sur un moteur? Il y a aussi un turbocompresseur. Le turbocompresseur, à mon avis, c'est le carbone labile. C'est tout l'aspect oxygène qui vient comme donner l'efficience. Et le carburant, c'est l'azote. Fait que qu'est-ce qui arrive quand un moteur n'a pas de turbocompresseur? C'est un moteur qui devient énormément. Il est beaucoup plus énergivore pour la puissance qu'il va donner.
Fait que là, ta puissance nécessite énormément d'azote. Fait que quand t'as pas beaucoup de carbone labile, ça te coûte beaucoup plus cher en azote pour obtenir le même rendement. Mais quand tu as un système que tu bâtis du carbone labile, tu crées un gros turbocompresseur qui donne l'efficience à tout ton système. Puis en ce moment, je pense qu'est-ce qui me manquait énormément, je pense que je manquais beaucoup de moi, mais mon ratio carbone, azote, carbone labile n'était pas bien équilibré. Mon moteur était vraiment pas au point. Ça m'a donné des mauvais résultats. Sous le mouvement rendement, mais au niveau du contrôle des mauvaises herbes, j'avais un très bon contrôle. Puis, tu vois, j'ensemence aussi j'ai modifié un planteur sur 3 points où j'ensemence des engrais verts. Mais la question du carbone labile est très importante à réfléchir. Je pense que c'est une notion qu'on doit apporter un œil attentif. D'autres essais que j'ai essayés cette année, j'ai essayé des plantains de Boston avec du lotis intercalaire. J'essaie d'avoir des plantes naines dans le soja pour. Pourquoi le plantain de Boston? C'est une composée. Si j'ai du TEF avec du trèfle incarnat, j'essaie toutes sortes de mélanges de couverts pour essayer de trouver des combinaisons gagnantes, là, plusieurs essais. Une autre parcelle, quand je dis l'année de jachère vivante, si je fais une année, je fais vraiment des mix. Ça, c'est un projet avec la municipalité où ce que je vois j'ai fait un année de couvert, j'ai broyé et j'ai semé en semi-direct un seigle vesvelu. Et je vais ensemencer des citrouilles pour faire un projet entrepreneurial avec les élèves de la communauté. Mais ça, vraiment, c'est une année où je sème un an, je fais que semer des mélanges végétaux, des fleurs avec une diversité d'espèces pour vraiment tout partir, toute la moteur, comme je vous ai expliqué, le carbone labile, toute créer vraiment un beau mulch pour travailler. J'ai hâte d'avoir les résultats, c'est à suivre, mais je pense que j'avance à ce niveau-là. Puis je pense qu'une des innovations les plus intéressantes qui s'en vient, c'est vraiment où est-ce que je m'enligne en ce moment, c'est non faire du maïs au 75 cm, faire du maïs au 154 cm. Ça, il n'y a pas grand monde. Je te dirais qu'il y a du monde. Ça s'appelle Thing Outside of the Row. On pense en dehors de la boîte. Mais puis pourquoi que je m'en vais au maïs au 154 cm? Plusieurs raisons. Puis en fait, c'est toujours les solutions simples qui fonctionnent. C'est très, très simple. C'est qu'en fait, sur la gestion du maïs au 75 cm, le couvert végétaux est toujours très petit. Le retour n'est pas nécessairement très énorme en termes de couvert. C'est qu'un maïs au 154 cm, c'est qu'on met la même population à l'hectare, mais tu le concentres sur le rang. Alors, au lieu d'avoir des plants espacés de 10 cm, ils sont espacés de 5 à 4 cm. Fait que tu as vraiment des effets de bordure, comme un effet de bordure dans le maïs. Fait que ça me permet de créer un corridor solaire qui va venir vraiment travailler à bâtir des couverts en même temps que je fais une culture de revenus. Mais j'ai pas sauf que en ayant 154 cm, je diminue pas mes rendements de 50%. Je diminue seulement de 20% mon rendement parce qu'il y a un effet vraiment de compensation au niveau de la lumière. Toute la notion de gestion de la lumière, comme je dis, la répartition spatiale, l'architecture de nos parcelles, c'est toutes des réflexions qu'il faut avoir dans nos systèmes. Puis, pourquoi je suis allé là, en fait, pourquoi je m'en vais au maïs 154 cm? Parce qu'au début, j'allais voir des agriculteurs américains où ils ont travaillé beaucoup sur le control traffic farming, qui passe toujours avoir des track lines, je pense que vous avez ça aussi en France. Toujours passer la même. Tant qu'en compacté, on va compacter toute à la même place. Puis au début, je voulais aller dans un système, tu sais, je vais rapprocher ma vision. On va fermer la canopée beaucoup plus rapidement. On va densifier. T'sais. Moi, au début, il y a quelques années, j'étais dans cette réflexion-là. Fait que vous voyez un peu du maïs en semençant au 37,5 cm avec un sarclage. L'agriculteur avait vraiment des beaux maïs, vraiment un super contrôle des adventices.
T'sais, il a vraiment maîtrisé cette technique. Ça fait 15 ans qu'il maîtrise cette technique-là. Il y a même des nez à récolte adaptés pour le maïs à cet espacement-là. Puis tu peux chercher à peu près à 10 à 15 % de plus de rendement qu'un maïs au 75 cm. Sauf qu'il me dit, après 15 ans, il dit, Sébastien, puis là, je parle de mes mélanges de plantes, puis il dit, je pense que je frappe des murs parce que j'ai fait 15 ans que je pousse la limite du maïs au 35,5 cm. Puis j'ai encore des problèmes de fertilité. Tu sais, puis l'année du maïs, j'ai des super rendements, mais par après, j'ai encore des problèmes de mauvaises herbes vivaces. Fait que c'est quand même un enjeu. Puis il me dit, c'était pas le maïs au 37,5 cm, c'est 154. C'est vraiment de l'ouverture, de créer de l'ouverture. Puis pourquoi de l'ouverture? Donc, je vous ai expliqué, c'est de créer une biomasse, bâtir ta fertilité, non avant ou après ta culture, tu la bâtis en même temps que tu fais une culture de revenus. Puis l'autre point très important, c'est que on sous-estime, à mon avis, énormément les enracinements profonds. Dans notre système de culture, on ne donne jamais le temps à faire ces enracinements-là profonds. Tandis qu'en faisant du maïs 150 cm, on permet de faire un enracinement profond en même temps. On n'a pas sacrifié 2 ans pour faire une prairie ou 1 an pour faire une prairie. On n'a pas sacrifié notre revenu entièrement. Mais puis pourquoi l'enracinement profond? Moi, chez nous, j'ai observé que les mauvaises herbes vivaces, ils rentraient la 7e année dans mon système. Après 2 cycles, maïs, soya, céréales, on va dire. Puis, si je ne fais pas de prairie, puis je remarque que tous les producteurs que je connais qui n'ont pas de prairie dans leur système, ils ont tous des problèmes de mauvaises herbes à enracinement profond au Québec. C'est notre réalité. Mais là, c'est un peu... Bien, c'est parce que je pense que le rôle de l'enracinement profond, il est important. Fait que si tu ne le fais pas par des bonnes plantes, la vie va s'arranger pour avoir... T'sais, si tu ne prends pas le temps... Pour le faire dans ton système, la vie, tu vas être pogné ou tu vas être compromis à gérer ce problème-là de toute façon. Fait que, comme je vous dis, je remplace toute la dynamique où ce que je vais faire des enracinements. Je vais mettre des plantes pour les intégrer en même temps que je fais ma culture mon maïs. Enracinement profond. Deuxièmement, c'est beaucoup plus facile de contrôler des adventices sur un rang d'une culture qui a plus de population de ta culture que moins de population. Fait qu'en ayant du maïs beaucoup plus collé sur le rang, ça va être beaucoup plus facile de contrôler mes mauvaises herbes sur mon rang. Puis, je vais diminuer ma zone de sarclage de 2/3. Je sais que le sarclage a un impact négatif sur mon sol, mais avec cette technique-là, je vais seulement sarcler, venir travailler sur le tiers de ma superficie. Puis, je vais bâtir ma fertilité. Puis même, j'ai une hypothèse que je vais être bon pour faire 2 ans de maïs Macabac. Ou est-ce que l'année d'après, je vais venir faire un strip-till dans mon couvert de maïs? Ça, c'est l'hypothèse. Puis en ce moment, au Québec, je suis en train de démarrer un projet où est-ce que je ne serai pas le seul à tester ça. On va être 8-10 agriculteurs à tester cette technique-là. Parce que c'est une des erreurs que j'ai faites dans le passé, c'est d'avoir fait d'essayer de jouer l'agriculteur-chercheur tout seul. Mais c'est en équipe qu'on avance. Fait que vraiment, ça, c'est vraiment tout l'enracinement profond de bâtir ma fertilité, de mettre des mix de familles de plantes en même temps que je fais ma culture. Quand je parle de toute la gestion, de la lumière, c'est un peu ça. Il faut réfléchir à l'architecture, comment on positionne les rangs. C'est à peu près ça que je pense que ça se fait pas en Europe, le maïs 154 cm. Ça pourrait même se faire dans le canot. Là, je réfléchis, j'étais quelqu'un des ouvertes, mais tu sais, il faut réfléchir à la façon, comment on peut faire rentrer de la lumière puis gérer notre récolte en même temps. C'est toute la gestion, toute la réflexion est toute là. Vous voyez un peu? Puis là, mes questionnements, c'est bon. C'est quoi les plantes qu'il faut que je mette? Ça, c'est encore toutes les choses qu'on va tester. C'est-tu de la chicorée? C'est-tu de la luzerne? C'est-tu du trèfle? Moi, je pense que le plein potentiel de cette technique-là, c'est d'avoir des cultures qui sont pré-implantées, qu'au printemps, qu'on va venir travailler nos bandes, puis on va venir ensemencer. Mais là, c'est-tu
10 cm, 15 cm, 20 cm, il faut que je travaille, je ne sais pas. C'est quoi les stress hydriques? Je ne les connais pas. Il y a encore plein d'incertitudes que je ne connais pas, mais je crois que le potentiel, il est simple. Puis, qu'est-ce qu'on utilise comme outil de désherbage? C'est un outil avec des outils de scalpeur très... moi, dans mon cas, ce que je veux utiliser, le même sarcleur que j'utilise dans l'entre-rang, mais je vais me bricoler un 3 points, là, j'ai le side shift, là, comment expliquer, qui va coulisser, que je vais être capable de coulisser 75 cm à gauche, 75 cm à droite. J'utilise le même outil, tu sais, qui va venir, au lieu de répéter des outils, j'utilise le même outil, mais j'utilise un 3 points. Fait que, tu sais, je réfléchis toujours à des systèmes qui sont simples, malgré tout, parce que le maïs, je trouve, c'est une idée qui est très simple. Tu sais? Fait que, tu sais, c'est un peu l'idée. Puis, tu sais, tu vois, des Américains en ce moment que je m'inspire énormément, tu vois, ils ont en train de développer là, avec la compagnie Down, le Romo. C'est un genre de faucheur intérêt, vraiment intéressant. Fait que c'est tout des. Puis, l'autre idée que j'ai derrière ça aussi, c'est que, imagine là, que ce que je vais faire, vraiment intéressant, qu'est-ce qui est possible au maïs au 154 cm, c'est que ça me permet de faire un système cut and carry, c'est-à-dire que un système qui je vais laisser, disons qu'au printemps, comme ça dit, tu laisses pousser le maïs, tu viens faucher ta luzerne, ta biomasse en gravier, et tu viens comme molcher le pied de ton entre-rang. Fait que tu viens comme... soit tu vas implanter d'autres cultures, un autre trèfle. Là, tu viens molcher qui vient comme empêcher. Vu qu'il y a beaucoup de lumière, il faut vraiment que tu protèges ton entre-rang. Mais toute la biomasse, tu viens tout nourrir en carbone labile, en fertilisant. Ça a un effet fertilisant vraiment important. Fait que tu fertilises ton maïs avec une culture qui est à côté, qui est très, très simple. Fait que le maïs au 154 cm permet cette technique-là, ce que le 30 cm, le 75 cm ne peut pas. Fait que c'est tout des idées, je pense, que intéressantes. Que c'est vous voyez, un élément, on fait juste modifier l'écartement d'un rang. Il y a plein de possibilités, plein de concepts d'agroécologie qu'on connaît, mais une idée permet d'ouvrir à plein d'autres possibilités. Fait que c'est un peu ça de la réflexion, de la, comme, un peu comme le billon. Le billon m'a amené une nouvelle façon d'amener, d'intégrer. Fait que toute la notion d'architecture est importante pour venir modifier. Il y a des choses que tu dis, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Mais tu crées une ouverture, tu fais une modification en termes d'architecture au niveau de ta parcelle. Tu viens créer un univers nouveau de possibilités. Ça, c'est ça que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Puis en ce moment, je trouve que faire du semi-direct en bio, en ce moment, je trouve que on est en ce moment sur. On veut aller sur la Lune, mais le vaisseau spatial n'existe pas. Ça, c'est le défi. Puis c'est un grand rêve, tu sais. Moi, je rêve d'aller voler, là, tu sais. Puis on est allé au début de l'ère de l'aviation, tu sais, je te dirais, puis nos avions, ils ressemblent à ça. OK? Ça, je pense qu'en ce moment, c'est l'état du semi-direct bio. Là, on est à l'étape de nouvelle. On est quelques pilotes là, qui ont essayé de voler. Là, puis je te dis que ça. On fait un petit décollage. Ouh, on vient de décoller, tu sais. Mais je te dis, des fois, ça crache là, longtemps. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut créer toute une nouvelle ère de l'aviation. Puis, tu sais, je vais vous donner une analogie avec l'aviation puis l'agriculteur qui fait de l'agroécologie. Tu sais. Il y a différents types de modèles d'avions, comme il existe différents types de fermes, mais chaque. Pour moi, la ferme, c'est un avion. Okay? Les consommateurs, c'est les passagers. Ceux qui achètent nos produits, c'est les passagers. Ouais, ils s'en vont d'un plan 1, un point 1. Tout le fuselage, les ailes, c'est les équipements adaptés. Mon sommoir, le rouleau FACA, nanana, c'est les équipements adaptés qui permettent d'avoir l'importance de décoller. Les turbines, c'est la génétique des plantes. Dans un avion, qu'est-ce qui est le plus complexe? C'est la turbine. C'est quand on sème une plante, là, elle se déploie, mais quand on décolle, le semis, c'est le décollage, l'atterrissage, c'est la récolte. La turbine, c'est très, très complexe.
C'est la génétique. Puis la génétique est très importante. C'est le moteur qui est un moteur très puissant dans l'agriculture. Sans la génétique, là, ça commence par la domestication des plantes. Mais c'est la turbine. L'agriculteur, lui, c'est le pilote. Puis lui, avec son algorithme, tu sais, là, il contrôle les ailerons, ses décisions. Tu sais. Il existe pas, il y a un produit qui n'existe pas, c'est le terrain d'atterrissage. Quelqu'un qui est un agriculteur qui est conventionnel versus, puis il va aller vers l'agroécologie, il faut qu'il décolle, hein, ça prend, il faut qu'il décolle sur un. C'est l'assurance. Ça prend quand même un certain de la gestion de risque. Ça prend quand même un certain point d'appui pour décoller. Fait que tout l'aspect. Moi, je pense que l'avion, il faut créer l'avion. L'agriculteur, il faut qu'il conçoit son avion en termes d'agroécologie. Puis il existe différents modèles. Puis là, on est à l'heure à savoir, on t'étudie, ben là, c'est ce modèle-là qui est plus performant que l'autre, on ne sait pas. T'sais? Mais bref, l'aviation, dans ma créativité, j'utilise beaucoup cette image-là pour illustrer un peu le défi de relever l'agroécologie. Il y a du monde qui a relevé le défi de l'aviation, mais il y a des gens qui ont relevé le défi de l'agroécologie. Puis regardez comment il y a des gens qui travaillent dans l'aviation. C'est un monde incroyable. Mais c'est un peu la même chose. Chaque personne dans l'agroécologie a son rôle. Ça prend toute une équipe. Puis ça, c'est l'idée qu'on a depuis un an et demi, je travaille sur des idées. Puis depuis le mois de novembre, on a gagné un concours d'innovation où ce que on a créé un projet d'intelligence artificielle en agroécologie. On veut faire créer le Air Flower Navigator. C'est la façon. Mais qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est que moi j'ai compris que l'agriculteur, il faut qu'il trouve la route des fleurs. L'agriculteur qui trouve la route des fleurs. Puis quand je nomme la route des fleurs, je nomme quatre niveaux de maîtrise. Il y a quatre niveaux de profondeur. La fleur, elle représente l'espèce avec les talents qu'elle a. Le deuxième niveau de profondeur, c'est la synchronicité dans le temps. Quand une plante fleurit, c'est la synchronicité dans le temps qu'une plante fleurit est super importante. Troisième niveau, la relation avec le sol. Quand une plante fleurit, sa relation avec le sol change. Les plantes, c'est le miroir du sol. Fait qu'il y a toute une relation qui se fait. Puis le quatrième niveau, la fécondité, la récolte. C'est que l'agriculteur, il faut qu'il maîtrise ces quatre niveaux-là. L'espèce, tout le mélange des espèces, l'interaction des espèces, la synchronicité, la relation avec le sol. Il faut qu'il maîtrise ces quatre niveaux-là. Fait qu'il faut qu'il trouve la route des fleurs. Mais la route des fleurs, elle n'est même pas mappée. On ne sait même pas quoi ressemble la route des fleurs. Fait que l'idée, c'est de mapper cette route-là. Puis si je vous explique un peu l'idée du projet, la vision qu'on a, je ne pêche pas tout ça dans le projet. J'étais avec deux autres partenaires, un chercheur, un doctorant qui étudie les résidus de glyphosate dans le sol, avec un autre agriculteur qui a un bac social. Si je prends exemple Google Maps, comment ça fonctionne Google Maps? Tu as bien beau connaître Montréal, tu ne peux pas prédire où il y a du trafic, tu ne peux pas prédire où il y a de la construction. Deux variables. Un indicateur, tout le monde se promène avec un cellulaire dans les poches, qui donne un indicateur de positionnement en temps réel. Un indicateur. L'agriculteur, il y en a 200 variables comme ça, puis 200 indicateurs comme ça, qui varient en temps réel. OK? Fait que c'est un niveau de complexe encore plus haut. Fait qu'imaginez que chaque ferme a ses indicateurs au niveau de ses sols, carbone labile, pH, oligo-éléments, ainsi de suite, tout. Chaque indicateur est structuré par une couche. Les plantes, biomasse, les espèces, les mauvaises herbes, nanana. La météo, les interventions humaines. Chaque couche est complète. Chaque data est vraiment complet sur chaque ferme. Oh. Chaque ferme a son réseau. Puis on va utiliser l'intelligence, parce qu'un coup que chaque indicateur est bien structuré, on utilise l'intelligence artificielle pour mapper c'est quoi les routes les meilleures. Tel agriculteur a fait telle affaire. Mais on va être capable d'identifier, mais cet agriculteur-là, il y a des bons résultats, mais oh, il y avait ces indicateurs-là étaient tous. Il y avait c'est la somme des expériences d'agriculteurs. C'est utiliser la somme des expériences d'agriculteurs pour trouver
les façons de faire, donner des outils de gestion décisionnelle à l'agriculteur. Où est-ce que l'agriculteur, il a ses indicateurs, sa position. Il dit, moi, je vais consulter la route des fleurs. Bon, dans 2 ans, je vais faire du maïs bio. En fonction de ma réalité, c'est quoi le chemin qu'il faut que je fasse? C'est quoi les plantes qu'il faut que je fasse? En fonction de ma réalité, en fonction de ma réalité, là, mettre du maïs bio là, avec ta réalité, là, ça va être là, il y a un petit bout de risqué. Là, tu vas être risqué, une route, tu vas peut-être te manquer tel élément, nanana. Comme un peu un Google Map qui dit, ben là, il y a du trafic. Là. On attend pas là, il y a du trafic. Là. Ça va coûter cher. Ou ça va prendre plus de temps. Mais c'est donner un outil de gestion à l'agriculteur qui est basé sur la somme des expériences des agriculteurs. Fait que c'est un peu ça l'idée qu'on veut mettre en place tranquillement. Puis en ce moment, le projet, on le démarre avec un maïs aux 60 pouces. Un maïs aux 154 cm. Parce que la manière qu'on va travailler à 10 agriculteurs à travailler, à monitorer du data en faisant ce projet-là, ça va être la même façon de travailler avec 2000 agriculteurs. Fait que c'est comme ça qu'on démarre notre projet. Fait que là-dessus, je vous dis pas mal merci. Je dis merci à Opaline, parce qu'en Opaline, je serais pas là. Mais je dis merci aussi à tous les agriculteurs que j'ai rencontrés sur la planète. Parce que sans eux, je serais pas capable de livrer les connaissances que je vous livre là. C'est une expérience, parce qu'avec eux, j'ai bâti. Puis à mes deux filles aussi également, Alice et Mayenne, qui me suivent dans ma passion. Fait que là-dessus, dessinez-moi des agriculteurs agroécologiques. Soyez créatifs. C'est tout.